midi à tous. Alors, donc, comme je disais, on va essayer de revoir au niveau du programme. Donc, ceux qui ont déjà fait le programme, ceux peut-être qui ne l'ont pas fait, on va reprendre point par point chaque recette pour essayer que vous puissiez me dire peut-être les difficultés que vous avez eues. Ou peut-être que vous pourriez avoir, ou c'est pas très clair pour vous au niveau de la recette, à quel moment on fait quoi, comment on fait. Donc, on va essayer de revoir à ce niveau-là. Alors, j'ouvre le petit programme que j'avais fait. Donc, la dernière fois, on s'était arrêté à la salade composée. Donc, on va continuer le programme pour arriver au plus proche de la date du jour. Donc, c'était la julienne de légumes. Donc, la julienne de légumes, on va dire, une poêlée de légumes composée en général que de deux légumes. Et en fait, quand vous voyez ça le jour du BTS, que vous voyez le mot julienne, déjà, la première chose que vous allez regarder, c'est l'annexe du sujet pour voir quels sont les légumes qu'on vous propose. En général, la julienne de légumes, c'est carottes et courgettes. Mais il peut y avoir ce jour-là, ils peuvent décider qu'il n'y avait plus de carottes, plus de courgettes et que ce sera haricots verts avec poivron, par exemple. Donc, dans ces cas-là, vraiment, il faut vous fixer sur l'annexe qu'il y a dans le sujet. Donc, vous regardez l'annexe, vous voyez, vous choisissez deux légumes et quand il y a le terme julienne, donc ça veut dire en fait, ça fait référence à la taille des légumes, comment il faut les couper. Donc ça, on y reviendra après dans le livre d'Adonis, il y a écrit au niveau des découpes. Donc par exemple, il y a possibilité aussi la brunoise, c'est des petits dés. Donc il faut savoir un petit peu, avoir quelques notions en cuisine pour savoir quand il y a un terme, quelle découpe on attend de vous. Parce qu'effectivement, une julienne, c'est des petits tronçons de 5 cm. Donc c'est forcément, si vous me faites des tagliatelles de courgettes, c'est pas bon. Vous allez être pénalisé au niveau de la note puisque c'est pas ce qu'on attend de vous, malheureusement. Malgré que s'il faut, votre assiette sera très belle, mais c'est pas ce qu'on attend. Si vous commandez au restaurant un bœuf bourguignon et qu'on vous amène une blanquette de veau, vous trouverez peut-être la présentation très jolie, mais c'est toujours pas ce que vous vouliez manger. Donc voilà, donc c'est important de respecter le sujet. Ensuite, il faut, comme je disais, respecter ce qu'il y a dans l'annexe parce qu'effectivement, si vous écrivez courgette, parce que vous voulez faire à base de courgettes votre julienne de légumes et qu'il n'y a pas de courgettes, forcément, au niveau du jury, quand vous aurez écrit dans votre bonne commande courgettes, il va dire, mais elle va les trouver où ces courgettes? Parce que moi, je n'ai pas de courgettes. Donc, effectivement, à ce niveau-là, ça ne marchera pas. Et donc, vous allez perdre des points, on va dire, bêtement à ce niveau-là. Donc voilà pour ça. Julienne de légumes, est-ce que j'avais quelque chose de particulier à vous dire? Bon, c'est une cuisson sautée. On fait revenir les légumes dans l'huile. Et après, c'est vrai que parfois, ce qui est pas mal de rajouter, alors ce n'est pas forcément obligatoire, mais d'essayer de déglacer un petit peu la préparation avec par exemple du vinaigre balsamique ou de la sauce soja. Ça peut donner une petite saveur en plus qui peut être sympa. Voilà, donc après, si vous avez des questions sur la julienne de légumes, s'il y a des choses qui n'ont pas été très claires pour vous, je vous laisse m'écrire dans le chat. Et en attendant, je vais regarder deux, trois photos pour vous montrer des photos de julienne, de ce qui a été fait. Je vais vous en sélectionner quelques-unes pour que vous puissiez voir un petit peu. Tac. Tac. Donc, je vois qu'apparemment c'est clair pour tout le monde. Peut-être que vous ne l'avez pas fait, puisqu'il n'y a pas de questions particulières. Tac, hop là. Allez, je vais vous montrer ces photos-là. Je vais vous partager mon écran, comme ça vous allez pouvoir voir. La partager l'écran.
Donc voilà, donc je vais vous montrer, c'est des préparations qui m'ont été envoyées des élèves du groupe Adonis. Alors on n'est pas là pour, c'est pas une question de juger, c'est à un moment donné de vous montrer qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui peut être bien, de prendre des idées, parce que voilà, il y a des personnes qui ont un peu plus de créativité que d'autres, donc ça peut donner des idées. Voilà, c'est pour faire un petit point sur ce qui Le jury va plus attirer le jury au niveau d'une assiette de présentation plutôt qu'une autre, quoi. Donc là, on a une assiette avec haricots verts et carottes. Au niveau de la taille, les carottes certaines sont un peu trop courtes, mais dans l'ensemble, c'est assez régulier. Il y a un beau mélange des couleurs. La personne a mis un petit peu de paprika pour égayer au niveau de l'assiette, donc c'est assez sympa. Et elle a essayé de faire avec un cercle de présentation qui est une forme circulaire. Donc ça, c'est pas mal du tout. Les noix de cajou, je pense que c'est des noix de cajou au-dessus. Je ne sais pas trop ce que c'est. Ça, je pense pas que vous l'aurez le jour du BTS. Voilà, en général, ça retourne avec du persil, quelques herbes aromatiques. Il n'y a pas une grande panoplie au niveau de la décoration, au niveau de ce que vous avez au BTS. Ensuite, on a cette assiette, pareil, un peu de persil, basilic ou ciboulette déshydratée, là, avec du paprika. Et on a de la courgette et de la carotte coupée. C'est pas mal. Elle est bien, elle est bien. Moi, je trouve que dans l'ensemble, voilà, c'est comme l'autre, c'est au cercle, au milieu, c'est bien présenté. Là, on en a une autre. Alors, celle-là, vous voyez, par exemple, c'est un peu plus ça fait des spaghettis de légumes, en fait. Donc, certes, c'est pas mal, à la dégustation, c'est bien, mais ce n'est pas ce qui est attendu. Après, un mélange de couleurs, c'est très bien, hein, le blanc-vert avec le orange, ça va très bien. Et ensuite, on a celle-là. Donc, celle-là, on voit qu'elles ont été déglacées. Donc, elles ont une petite couleur en plus qui est assez sympa. Par contre, voilà, donc la taille en longueur est pas mal, mais la largeur, elles sont un petit peu trop épaisses, par contre. Voilà, donc c'est juste ce que j'aurais à dire, ce qui peut aussi gustativement ne pas être terrible. Autre chose, souvent quand vous allez faites attention quand vous faites revenir les légumes. Il y a des légumes qui ont des temps de cuisson différents. Les carottes vont être plus longues à devenir tendres qu'une courgette, par exemple. Donc, de bien penser à ça, de réfléchir quels légumes je vais commencer à faire revenir pour qu'ils soient plus tendres et ensuite rajouter le deuxième légume et finir la cuisson. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait d'autre au niveau du programme? Tant qu'il n'y a pas de questions, je continue. Les œufs à la neige. Alors, les œufs à la neige, ou aussi appelés îles flottantes, en fait, il y a une différence. Les œufs à la neige, c'est quand on cuit les blancs au bain-marie. Alors que l'île flottante, c'est quand on cuit les blancs à la neige au four. Voilà d'où la différence au niveau de l'appellation. Alors, on va utiliser une crème anglaise. Et ensuite, c'est des blancs en neige montés avec un petit peu de sucre. Donc, ce qui est pas mal, c'est que cette recette permet, si on fait une crème anglaise seule, on va perdre le blanc. Alors que là, du coup, on utilise l'œuf pour la crème anglaise et pour les blancs. Donc, on va dire qu'il n'y a pas de perte au niveau de l'œuf à ce niveau-là. Pour la crème anglaise, donc, une crème anglaise, je vous rappelle, on fouette le jaune d'œuf avec le sucre, histoire que les grains de sucre se dissolvent. Et ensuite, on ajoute le lait chaud, qui a chauffé un petit peu avant, avec la vanille. Et on l'ajoute délicatement dans le jaune, tout doucement sur les bords, parce que si on le met directement sur l'œuf, le lait peut être un petit peu trop chaud et ça peut faire cuire le jaune d'œuf. Donc on l'ajoute petit à petit, on l'intègre, ça fait une solution qui est du coup homogène, et ensuite on remet sur le feu. Là, à partir de là, on ne va pas mettre le feu trop fort, autant prendre son temps. Et on fait cuire, on va dire, bien 5 minutes, tout doucement. En fait, normalement, il ne faut pas que ça dépasse 83 degrés pour pas que le jaune d'œuf flocule, mais on n'a pas de thermomètre. Donc, vous, il va falloir en fait aller doucement, faire des 8, bien racler au fond pour pas qu'effectivement le lait accroche au fond de la casserole.
et qu'effectivement, le jeune floccule. Donc, on fait des 8 et ensuite, on regarde petit à petit si la crème, elle nappe la marise. Donc, souvent, on le fait avec une marise, comme ça nappe bien, c'est plus facile à voir. Et on regarde si ça nappe bien. Donc, ça veut dire si elle, entre guillemets, qu'elle colle. Ce n'est pas le bon terme, mais c'est pour vous dire un peu visuellement. Et ensuite, avec votre doigt propre, vous pouvez. Donc, si vous avez la. Attendez, j'ai trouvé un. Voilà. On va dire que ça, c'est ma marise. Je l'ai trempée. Et si je passe mon doigt au milieu, il ne faut pas que les deux parties se rejoignent. Ça veut dire, du coup, ma crème, elle a bien épaissi, eh bien, elle nappe bien et que donc, elle est cuite à bonne température. Le premier, avant de, évidemment, si vous reste des bulles au-dessus de votre casserole, là, quand vous avez mélangé vous avez mis votre mélange, forcément, comme vous avez battu, il y a de l'air qui s'est introduit. Donc, quand vous le mettez dans votre casserole, s'il y a encore ces bulles d'air, mais ça veut dire que votre crème, elle n'est pas encore prête. Parce que ça, c'est la première étape, c'est que les bulles doivent avoir disparu. Et ensuite, on vérifie qu'elle est bien nappée avec les mains propres, bien évidemment. Alors, on me demande quelle température pour le lait. Je n'ai pas de température particulière. Vous mettez le lait, vous mettez la vanille, et on va dire que vous le mettez, je ne sais pas moi. Vous le mettez à, ça dépend jusqu'où va votre plaque, mais si votre plaque va jusqu'à 9, vous le mettez à 5, histoire que ça commence à chauffer, que la vanille se diffuse bien dans le lait, et ensuite vous l'ajoutez. Et donc vous le faites au début, et après vous vous occupez de votre œuf avec votre tube, donc le temps d'œuf, et après voilà. Ensuite, votre crème anglaise. Alors, comme je sais qu'il y a des élèves, enfin, il y a une partie qui sont mes élèves, après, il y a peut-être d'autres qui le savent très bien, mais en tout cas, je sais que les élèves le savent. Qu'est-ce qu'il faut faire quand la crème anglaise, du coup, a fini de cuire? Donc, s'il y en a qui veulent parler, allez-y. Sinon, écrivez, je répéterai ce que vous avez écrit. On a une crème anglaise qui est cuite, qu'est-ce qu'on fait? Non, pas au frais de suite. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Laisser refroidir. Ouais, ok, donc laisser refroidir. Très bien. Nathalie, Nidia, au bain-marie froid. Voilà, on ne peut pas. Ça va faire un choc de température si on la met au frais de suite. Ok. On la couvre avec du film. Mais on la couvre comment avec le film? C'est très important, ça. Je l'emballe comme ça. Ah, voilà. Ok, super. Très bien. Au contact, tout à fait. Donc, vous avez votre ramequin, vous avez votre crème anglaise qui est là. Donc, vous filmez et il faut que le film y touche. C'est ce qu'on appelle au contact. Au contact de la crème pour éviter qu'il y ait en fait une petite croûte qui se forme si vous ne mettez pas au contact avec la condensation du film et du froid qui fait que ce sera un peu délétère au niveau gustatif. Voilà, tout à fait, Nadège. Donc, vous faites ça. Et ensuite, vous la mettez au bain-marie et quand vous voyez qu'elle a baissé en température, vous la mettez au frais. Ensuite, pendant qu'elle est au frais, vous montez vos blancs en neige, vous ajoutez un petit peu de sucre et vous les faites cuire soit donc au bain-marie. Alors, il y a eu une technique d'ailleurs qu'une élève m'a dit. C'est que par exemple, si vous voulez faire cuire au bain-marie, que vous ne voulez pas perdre la forme de vos blancs en neige, vous pouvez par exemple le mettre dans un ramequin et c'est le ramequin que vous mettez dans l'eau. Du coup, c'est par capillarité, en gros, on va dire, que le blanc d'œuf va cuire. Donc ça, c'est pas mal. Du coup, ça permet d'avoir le blanc d'œuf qui reste sous sa forme. Souvent, c'est ce qui arrive quand on le plonge dans l'eau. Il se gonfle avec plein d'eau et quand on l'enlève de l'eau, et bien, effectivement, toute l'eau part. Donc, ça fait des blancs en neige tout petits. Et ensuite, sinon, s'il y a la version au four, et bien effectivement, vous avez monté vos blancs, vous les mettez dans des ramequins et vous mettez au four. Alors, des ramequins, peut-être qu'il faudra un peu huiler ou beurrer pour éviter que les blancs d'œufs, les blancs en neige, pardon, accrochent au moule. Quand ça, c'est terminé, vous pouvez rassembler l'ensemble. Donc, mettre la crème au-dessus des blancs en neige.
Vous pouvez faire revenir vos petites amandes effilées, donc faire bien attention aux amandes effilées. Souvent, on les fait revenir et ça crame. Donc, il faut toujours, dès qu'on voit que ça commence à colorer, on reste sur le qui-vive et il faut toujours les transvaser dès qu'elles sont à bonne couleur. Sinon, elles vont continuer à cuire dans la poêle parce que c'est conducteur. Ensuite, le caramel. Effectivement, le caramel. Alors là, il y a deux possibilités. On peut faire un caramel à sec, c'est-à-dire on met que le sucre et on J'ai attend une question, patiemment que s'il vous plaît, le... excusez-moi. En fait, je suis étudiante à Donis et dans ma recette, dans l'œuf à la neige, la cuisson se fait sur une surface d'eau frémissante. Vous plongez vos blancs? Oui, posé délicatement à la surface d'eau frémissante. Dans ma recette, c'est écrit comme ça, oui. Oui, c'est ce que j'ai dit. Il y a deux possibilités, tout à fait. Ce que je disais, c'est que pour les œufs à la neige, la différence au niveau de l'appellation de l'île flottante, les œufs à la neige, ça veut dire qu'on cuit les œufs dans de l'eau et les îles flottantes, on cuit dans un ramequin pour une cuisson au four. C'est ça la différence entre œufs à la neige et îles flottantes. Souvent, dans les BTS, on vous dit œufs à la neige, en fait. Donc, on attend une cuisson à l'eau. Et ce que je vous disais, c'est que soit vous pouvez faire de belles quenelles, par exemple, de vos blancs en neige et les faire pocher dans l'eau frémissante, effectivement. Soit si vous voulez garder, en fait, la forme, vous pouvez faire cuire dans un ramequin et que vous mettez dans cette eau frémissante. C'est ça que je disais. Parce que, en fait, quand vous mettez votre quenelle de blanc en neige dans l'eau, elle va se gonfler d'eau, donc elle va être très belle. Et quand vous allez la sortir, en fait, elle ne va pas garder toute l'eau. Donc, il y a une partie qui va partir, donc ça va être un peu moins joli. C'était tout. Je ne sais pas si c'est clair pour vous, Sarah. Oui, merci. Ok, super. Ensuite. Je ne sais plus où j'en étais. Ah si, le caramel. Alors, le caramel, donc on le fait cuire, donc ce que je vous disais, soit à sec, donc on met les morceaux de sucre ou le sucre dans la casserole et on le laisse prendre petit à petit. Soit sinon, si on n'est pas trop trop sûr au niveau du caramel, on est un peu inquiet, vous pouvez mettre les morceaux de sucre et mettre une à deux cuillères à café ou à soupe d'eau. De toute façon, ça dépendra. Hein. Si vous mettez deux cuillères à soupe d'eau, il faudrait juste attendre plus longtemps avant que l'eau s'évapore et que le caramel se crée. C'est juste la seule différence. Et donc, l'eau va imprégner le sucre. Et donc, petit à petit, le caramel va se créer. Voilà. Donc, effectivement, il faut essayer qu'il y ait un caramel un petit peu coloré. Si c'est un caramel blond, ça aura pas, gustativement, ce sera pas terrible. Voilà. Donc après vous assemblez, vous mettez votre crème anglaise, vos blancs en neige et vous versez votre caramel dès qu'il est prêt. Donc normalement le caramel, on ne le mélange pas avec une spatule ni quoi que ce soit, on ne le touche pas. Normalement, on le bouge un petit peu avec le manche, quoi. Vous mélangez un petit peu et vous versez dessus et vous mettez vos amandes. Alors certains vont dire, oui, mais mince, mon caramel, il n'est pas liquide. Du coup, il est tout dur et ce n'est pas très agréable. Alors c'est vrai que souvent, le caramel qu'il peut y avoir, alors soit quand c'est un industriel ou quand vous mangez au restaurant, des fois, il mélange avec en fait du sirop de glucose, donc ce qui permet de le garder un peu liquide. Ou même parfois, ça va être un caramel qui va un peu plus tendre vers comme un caramel beurre salé, en fait, où il va y avoir en plus de la matière grasse du beurre ou de la crème. Ce qui fait qu'en fait, quand le sucre va être en contact de l'air, il ne va pas forcément figer grâce à la matière grasse. Donc, ne vous inquiétez pas, le jour J, le jury C, il y a une partie qui sera dure et il y a le reste qui va être dans la crème anglaise et qui va redevenir liquide. Mais voilà, mais il n'y a pas d'inquiétude à avoir sur ce caramel qui est dur. Et après, vous mettez vos petites amandes effilées. On fait bien attention, les amandes effilées, à partir du moment où elles ont cuit, on ne prend pas avec ses mains si les mains ne sont pas propres ou si on n'a pas mis de gants. Okay? Ou alors, vous pouvez faire avec une. Vous pouvez les disposer comme ça en prenant votre poêle et en versant avec la spatule, mais du coup, sans toucher. Si vous touchez, c'est avec des mains propres à partir du moment où ça ne va plus cuire. Voilà, je pense que j'ai tout dit pour les œufs à la neige. S'il y en a qui ont des questions, n'hésitez pas à activer votre micro et à me dire s'il y a eu des petits soucis, crème anglaise ou quoi.
Je vais regarder en attendant les photos pour vous en montrer quelques-unes. Et je reste à votre écoute si vous avez quelque chose à me dire. Alors, œuf à la neige. Hop. On avait quelques-unes. Pas toutes, je vous les montrer parce que sinon. Il y en a beaucoup. Je vais vous en montrer deux, trois. Tac. Ok, allez, tac. Ok, alors quelqu'un qui a posé une question, donc avant de vous montrer. Alors, le jour J, notre crème anglaise a floculé et on n'a pas le, et qu'on n'a pas le temps de la refaire. Il va de soi qu'on ne la met pas dans l'assiette. Alors oui, effectivement. Alors, vous pouvez essayer de rattraper votre crème anglaise. Donc, la première chose, c'est peut-être que vous pouvez plus ou moins la passer au mixeur, peut-être la mixer un petit coup. Donc, ça, peut-être, ça réduira. Et en plus, après, vous la passez dans le, dans un, vous savez, une petite passoire, un tamis qu'on appelle, ou un chinois, ça dépend quelle forme ils ont, sinon. Et donc, ça, au moins, ça vous enlève les petits morceaux. Ça peut vous éviter parce que vous n'avez pas le temps. Vous n'allez pas juste dresser des blancs en neige. Ce serait vraiment dommage. Donc, ça peut être un moyen de rattraper votre préparation. Alors, quelqu'un d'autre qui me dit, je ne comprends pas et pourquoi il faut verser le lait sur le côté. Ben, c'est parce que si votre lait il a trop chauffé, donc tout à l'heure je disais de bien verser en fait le lait sur les bords du ramequin pour que ça arrive doucement. Donc si ça touche votre saladier petit à petit, votre saladier est censé être froid, donc ça va refroidir le lait petit à petit. Imaginons le lait, il chauffe trop, enfin en tout cas, il chauffe à plus de 85 ou 90 degrés. Le souci, c'est que ça va direct faire floculer le jaune d'œuf qui, lui, est à froid. Ça va trop faire un choc et ça risque de faire des morceaux, ce qu'on appelle floculer. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est bien de le mettre sur le côté. Comme ça, le lait arrive tout doucement. Il y a eu le temps un petit peu de refroidir. Avant de se mettre dans la préparation. Et par contre, on chauffe le lait, ça c'est bien, pour que les saveurs de la vanille, surtout quand on utilise une gousse, puissent bien pardon, se diffuser. Sinon, vous me direz, bah, pourquoi je ne verse pas le lait froid directement? Donc, je vous donne l'explication pourquoi le faire chauffer aussi. Voilà, j'espère que ça a été clair. Alors, je vais vous montrer. Hop, je partage mon écran. Je vous montre quelques îles flottantes que j'ai eu la chance de recevoir en photo. Donc, il y a celle-là, on voit que le caramel il est assez foncé, il est pas mal. Il y a un petit effet déco avec des feuilles de menthe, c'est pas mal. Et vous voyez qu'on voit très bien que le caramel il a durci. Mais ce n'est pas grave, on le sait qu'il durcit le caramel, mais ça a un joli effet. La crème anglaise a l'air de bien tenir. Donc, il n'y a pas l'air d'avoir de morceaux, elle a l'air d'être bien fluide, donc c'est pas mal. Ensuite, on a un deuxième. Là, le caramel. Bon, déjà, il n'y a pas de décoration. Donc, c'est un petit peu dommage. Vous voyez, entre les deux recettes, le jury voit ces deux-là. Bon, bah, du coup, il préfère la première parce qu'effectivement, il y a eu un petit effort de présentation. Ensuite, celle-là, effectivement, bon, il y a des petits coups sur le blanc. Et en plus, surtout, le caramel manque un petit peu de coloration. Donc, c'est un petit peu dommage. Après, il y a pas mal de blanc. Donc, c'est assez intéressant. Et la crème anglaise a l'air bien. Ensuite, on a celui-là. Donc là, le blanc en neige est vraiment pas mal. Il a l'air quand même assez net, bien cylindrique. Donc, assez intéressant. Par contre, là, voilà, on est encore sur un caramel qui manque. Je sais que souvent, vous avez peur. Vous dites, oh, c'est bon, j'ai un caramel. Là, hop, je le verse. Mais non, il faut quand même qu'il soit un petit peu coloré. Parce qu'un caramel blond, ça n'aura pas la même saveur qu'un caramel coloré. Et c'est plus agréable un caramel coloré. Voilà, après la crème anglaise est jolie, le jaune, ça
Ça devait être un œuf de poule parce qu'il est bien foncé. Elle est bien foncée, la crème anglaise, mais pas de souci, enfin, ça ne gêne pas, ça ne change rien même. Et ensuite, la dernière, là, pareil, donc il y a les amandes effilées. Il y a une belle couleur des amandes effilées, elles ne sont pas cramées. La personne, le blanc en neige tient bien, il y a un bon volume. Voilà, enfin, la présentation en général, voilà, là, si vous voyez ça, vous savez de suite, même sans vous l'ai dit, vous savez très bien que c'est une île flottante, quoi, que c'est un œuf à la neige. Ça se reconnaît, on a tous les éléments, on a la crème anglaise, on a les blancs en neige, on a un caramel et des amandes effilées. Donc, c'est parfait. Voilà. On utilise tout, il y a quelqu'un, non, on utilise tout le blanc pour le potage, ce n'est pas trop gros. Non, en général, ça va dépendre, mais sur un œuf qui fait 50 grammes, il y a 30 grammes de blanc monté en neige. Non, en général, ça va. Après, c'est vrai que par exemple, quand on les met dans l'eau frémissante directement, comme on l'expliquait à Sarah tout à l'heure, effectivement, ils vont perdre un peu en volume. Donc, on a assez avec tous les blancs. Ça permet de superposer un peu. Donc, ça, c'est fini pour. Donc, ça, c'était la semaine du 27 avril au 1er mai. Donc, on a fini ce programme-là. Ensuite, début mai, on a un petit peu réduit le programme. Donc, il y avait une partie du programme. Il y avait deux recettes à faire et à m'envoyer. Et ensuite, il y en avait trois autres qui était donc à réviser, deux recettes à réviser et une partie théorique. Parce que j'ai remarqué quand même, sur plusieurs personnes qui m'envoyaient, il y avait des petites questions théoriques, des petites choses qui n'étaient pas claires, que ce soit au niveau de l'hygiène, de la marche en avant. Donc, je me suis dit qu'un petit peu de théorie, tant en temps à relire, qu'on reverrait ensemble, ça pourrait servir et peut-être qu'il y aurait même des questions. Donc, alors, le premier jour, c'était le lundi, il y avait la quiche Lorraine à faire. Donc, à partir de là, il fallait aller voir page 275 de l'ouvrage d'Adonis, la recette de la quiche Lorraine. Donc, j'y vais en même temps pour faire un point avec vous. Donc, la quiche Lorraine, elle est faite à base de pâte brisée. Donc, ça, normalement, vous savez la recette de la pâte brisée, hein. C'est de la farine, 25 g de farine, 13 g de beurre, 6 g d'eau, une pincée de sel. En gros, c'est la quantité de la farine. On divise par 2 pour avoir la quantité de beurre et on divise par 4 pour avoir la quantité d'eau. La quantité d'eau, vous n'allez pas vraiment la peser. Vous allez prendre une cuillère à café et si vous voyez que ça ne s'amalgame pas très bien, la pâte, vous rajoutez une autre cuillère à café. OK? La pincée de sel. Et après, comme je dis souvent à mes élèves, vous pouvez parfois, en fonction des épices qu'il y a, alors des épices classiques, hein, vous n'allez pas me mettre. Même si moi j'aime bien faire des tartes sarrasin avec un peu de curry dedans, vous n'allez pas me faire ça le jour J. Vous faites une pâte assez classique. Et par contre, ce qui peut être bien, c'est parfois, en tout cas, nous dans le sud, on aime bien, des petites herbes de Provence. Ça peut donner un petit goût en plus. Voilà, vous pouvez prendre cette liberté-là. Alors attention, bien évidemment, vous lisez le sujet. Si on est sur un sans résidu, vous n'allez pas leur mettre. Alors, je ne sais pas s'il y a des deuxièmes années là. S'il y a des premières années, vous ne voyez pas de quoi je parle, mais ce n'est pas grave. Et pour les deuxièmes années, c'est un régime. Donc, le régime sans résidus, vous évitez, évidemment, vous m'évitez les résidus. Ensuite, il y a du lait, de la crème, des œufs et des lardons. Et un peu de fromage râpé au-dessus. En général, c'est une pâte classique. C'est un appareil où on mélange l'œuf, le lait, la crème. Et les lardons, alors soit vous pouvez les faire revenir avant, si vous voulez un peu donner un peu plus de goût ou quoi, sinon vous les mettez comme ça dans votre pâte et vous enfournez. On n'oublie pas que d'abord la pâte, elle a été cuite à blanc. On fait toujours une cuisson à blanc. Parce qu'effectivement, si elle n'est pas cuite, quand vous allez rajouter l'appareil, la pâte va boire le lait et donc elle ne va jamais cuire. Donc quand le jury, enfin, elle va cuire superficiellement, oui, mais quand le jury va ouvrir, va la couper en deux, il va regarder en dessous la pâte du bas et là on va voir qu'elle est translucide, donc on va voir que c'est pas cuit. Donc gustativement, c'est pas terrible. Vous pourrez avoir une perte de points là-dessus. Donc on compte une pré-cuisson, la cuisson à blanc, ça dépend. Il faut avoir un peu. Alors normalement, il faut piquer une tarte avant de la cuire à blanc. Mais le souci qui se passe quand on a un appareil avec de l'œuf et du lait, c'est que si on perce la pâte et qu'elle ne cuit pas assez bien ou peu, ou qu'on l'a trop percée, en fait l'appareil peut sortir par en dessous.
Donc normalement, on cuit, mais sans enfoncer la fourchette pour pas que ça fasse des trous. On cuit un petit peu. Si vraiment vous êtes inquiet, parce que vous ne le sentez pas, vous prenez un papier sulfurisé, vous mettez par exemple des poids. Alors si le jour de l'examen, il y a des poids qui existent, parce que c'est des poids de cuisson, vous prenez. S'ils n'en ont pas, vous demandez au jury, vous dites, voilà, pour faire cuire ma pâte, est-ce que vous avez des lentilles ou des poids de cuisson? Ou, enfin, il y aura souvent une personne qui ne fait pas partie du jury, mais qui vous aide au niveau du matériel de la cuisine. Et là, la personne vous passera ce qu'il faut. Nous, par exemple, à Montpellier, on n'a pas de poids de cuisson, donc on utilise des lentilles et des pois cassés. Mais on les garde que pour ça. Parce qu'après, quand ils sont cuits au four, de les refaire cuire pour les manger, la cuisson est beaucoup plus lente puisqu'il y a l'enveloppe du légume sec qui s'est durci. Donc voilà, vous pouvez faire ça, mais n'oubliez pas de mettre le papier sulfurisé. Parce que le nombre de fois où mes élèves me versent les lentilles dessus, après les lentilles, elles sont accrochées à la pâte. Et ce n'est pas une quiche Lorraine aux lentilles. Donc on met bien le papier sulfurisé et par-dessus les lentilles pour faire poids. Et ça sert à éviter que la pâte gonfle. Parce que si la pâte gonfle et que ça commence à cuire alors que c'est gonflé, après, quand vous allez remettre votre appareil, vous allez forcément percer cette bulle. Sauf là, du coup, votre appareil va partir partout dans votre moule et ce n'est pas ce qui est voulu. Voilà, je pense que. Est-ce que vous avez une question sur la pâte brisée? Alors là, je n'ai pas de photo, hein. Je vous montrerai que les jours où il y a eu des recettes. Il y a des photos. D'accord, Nathalie, pas de photo, donc c'est très clair pour vous. J'attends peut-être une ou deux minutes parce que le temps d'écrire, quand même, des fois, ça évite que je retourne en arrière, que je revienne. Après, n'hésitez pas, hein, si vous voulez décrocher votre micro, pas de problème. Combien de temps se fait la cuisson à blanc? Alors oui, pardon, je l'avais commencé ma phrase, je crois que je ne l'avais pas terminée. Effectivement, une cuisson à blanc, je dirais 10 minutes, ça peut dépendre. Je dirais les 10 premières minutes avec peut-être du poids, si vous mettez du poids, si vous ne piquez pas la pâte. Et ensuite, si vous avez mis du poids, vous les enlevez et vous continuez 5 minutes de plus. Parce que des fois, en fait, les poids, ils conduisent pas très bien. Enfin, les lentilles, les poids, oui, mais les lentilles ne conduisent pas très bien la chaleur. Et donc, la pâte du bas n'est pas assez cuite. Donc, je dirais 5 minutes de plus en enlevant effectivement le poids. Peut-on remplacer le beurre par un yaourt? Alors, ça, bien sûr, vous pouvez faire ça chez vous. Mais voilà, ce que je vous pouvez faire ça, mais chez vous. Donc effectivement, c'est pas ce qui est attendu. On n'est pas sur, on va dire des recettes un peu innovantes ou qu'on peut dire healthy. Voilà. Non, on est vraiment sur de la cuisine assez traditionnelle et on adapte seulement quand effectivement il y a un régime particulier. Donc normalement, on laisse avec du beurre. Mais par exemple, la pâte brisée, c'est possible de la faire avec de l'huile aussi. Possible. Enfin, moi, je la fais avec de l'huile, c'est très bon aussi. Le four doit être à une température particulière. Pas tellement, vous savez, dans l'ensemble des recettes, on tourne autour des 180-200 degrés. Par exemple, une tarte, c'est bien qu'elle soit gratinée. Donc, souvent, moi, je dis aux élèves, vous montez à 200 les 5 dernières minutes et vous mettez la tarte un petit peu en haut pour qu'il y ait un côté un peu gratiné, un peu sympa. Mais 180, ça suffit. Quelle épaisseur pour la pâte brisée? Oula, quelle épaisseur, carrément, c'est très précis. Écoutez, vous commencez à l'étaler, vous prenez votre moule individuel et il faut que ça dépasse de au moins 2-3 cm autour de votre pâte pour que en fait, ça puisse bien épouser les rebords du moule. Et après, vous voyez quoi. Ouais, à peu près, je dirais ça. Il n'y a pas d'épaisseur, on n'est pas en pâtisserie où on vous demande du 3 mm d'épaisseur. Le but, c'est que ça épouse bien. On ne veut pas que ce soit trop fin non plus, sinon, effectivement, la pâte va encore boire la préparation. En J'ai deux général, vu les questions. quantités que je vous ai données, ça vous fait l'épaisseur qu'il faut pour toute la tarte. J'ai une petite question, s'il vous Oui, plaît. Par rapport à la allez-y. pâte brisée, est-ce qu'on est obligé de respecter les recettes du cours? Parce que moi, d'habitude, je la fais avec un jaune d'œuf et le résultat est meilleur. Alors, par contre, ça, oui, je sais. Effectivement, en pâtisserie, c'est souvent ce qu'on fait. Mais normalement, dans la cuisine traditionnelle, la pâte brisée, c'est à ça que se différencie la pâte brisée de la pâte sablée. C'est que normalement, on ajoute un jaune d'œuf dans la pâte sablée, alors que dans la pâte brisée, c'est de l'eau et pas du jaune d'œuf. Donc, normalement, ça, par contre,
Je suis désolée, vous pouvez pas prendre. On peut prendre des petites libertés, par exemple, mettre un peu plus de grammage à 5-10 grammes près. On va dire qu'on a une amplitude au niveau du jury. Mais par rapport aux corrections, non, la pâte brisée, c'est de la farine, du beurre, de l'eau et un peu de sel. Mais pas, il n'y a pas de jaune d'œuf. Donc, non. Vous pouvez continuer chez vous, par contre, à faire comme ça, mais pas le jour du BTS, juste. Entraînez-vous quand même chez vous à le faire une fois sans jaune d'œuf parce que le jaune d'œuf permet quand même de bien lier la pâte, c'est pas la même texture. Donc quand même, entraînez-vous au moins une fois à faire la pâte sans jaune d'œuf pour avoir, savoir un peu quelle texture ça doit avoir pour le jour J, on ne sait jamais. D'accord, merci. Vous en prie. Bon, je pense qu'il n'y avait pas d'autres questions. Alors... Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on passe à la suite. Qu'est-ce qu'on avait d'autre ? Ah, le mardi, par contre, là, c'était une préparation à faire et à m'envoyer. Donc, c'était la pizza reine. Parce que pour vous expliquer un petit peu l'histoire, la pizza n'était pas tombée depuis... Je ne voudrais pas dire de bêtises, c'était à longtemps. 2014, je crois que c'était en 2014 qu'elle est tombée. Donc, c'est vrai que bon, la pizza, nous, on la faisait en TP. Mais mes élèves se disaient toujours, la pizza, ça tombera jamais. Madame, elle a une pâte levée, il faut le temps qu'elle lève, ça tombera jamais. Elle est tombée, la pizza, l'an dernier. Et ils ont dit, mais madame, elle est tombée, la pizza. Moi, je n'avais pas prévu ça. Donc, ce que je répète plusieurs fois, il ne faut pas prévoir des choses au BTS diététique parce qu'il y a quand même 5 jours d'épreuve. Donc, il y a quand même 5 sujets. Et si vous n'attendez pas le jour, votre jour, ça tombera quand même à un moment donné. Donc, vous ne vous dites pas, non, mais ça, c'est sûr, ça ne tombera pas. Donc, il faut quand même tout prévoir. Donc, depuis, j'ai quand même refait passer le message aux élèves pour leur faire comprendre qu'il ne fallait pas partir sur des acquis en se disant, bon, l'année dernière, ce n'est pas tombé, bon, cette année, ça ne tombera pas non plus. Donc, je suis repartie sur la pizza parce que souvent, c'est... À la bête noire, mais bon, c'est un peu difficile. Il faut pétrir la pâte, qu'il n'y ait plus le goût de levure. Bon, ça fait un peu peur, quoi. Donc, on a fait la pâte. Donc, c'était pizza reine. Donc, j'avais mis une protéine. Bon, forcément, pizza reine, en fait, c'est champignons et jambon. Donc, j'avais mis une protéine et un légume minimum. Et donc, vous aviez en référence, donc j'avais mis en référence le lien vers l'ouvrage illustré d'Adonis, donc page 81, c'était la pâte levée. Je vais juste vous le montrer. Tac, tac, tac. Voilà, donc pâte levée à la levure organique. Voilà, donc vous voyez, il y a les ingrédients et vous avez un petit peu les étapes clés pour cette recette. Donc, l'astuce déjà qu'il y a à faire quand vous avez de la levure, alors je ne sais pas si vous faites des fois un petit peu des pizzas maison chez vous ou du pain. Quand on utilise de la levure fraîche, il n'y a pas besoin de la réhydrater ou on peut la mettre, elle se mélange bien, elle se développe hyper bien toute seule. Vraiment, la levure fraîche, c'est nickel pour ça. La levure déshydratée, il faut quand même un petit peu, 10 minutes avant de la mélanger à la farine, de la réhydrater. C'est quand même préférable. Excusez-moi, j'ai une question. Comment se souvenir des grammages de la garniture? En général, ça reste toujours les mêmes choses, hein. On est sur les grammages précis. On va dire que ça va être une tranche de jambon et 200 grammes de champignons, je crois, un truc comme ça. Ça va parce que les champignons, c'est vrai que ça réduit selon si vous les faites cuire un petit peu avant. Ouais, c'est une tranche de jambon et 200 grammes de champignons. Après, ça peut dépendre de ce qu'on vous demande parce que il y a eu des sujets, par exemple l'année dernière, où c'était par exemple limité en glucides. Donc, bon, la majorité des glucides sont dans la farine, mais il y a quand même aussi un petit peu dans les légumes. Donc, c'est à compter aussi. Après, vous savez, j'ai encore fait des fiches de révision tout à l'heure avec mes élèves et puis ils se rendent compte que finalement, de recette en recette, c'est souvent un peu la même chose qu'on attend. Donc, ça va venir si vous n'arrivez pas encore à enregistrer totalement. Donc, on met notre levure 10 minutes avec une cuillère à soupe d'eau ou toute l'eau qui était prévue pour la pâte. On met une cuillère à soupe d'eau le temps par exemple, quand vous avez fini la prise des denrées, que le jury est venu voir, vérifier vos denrées, hop, vous mettez un petit peu d'eau
dans la levure, et le temps de faire votre vaisselle, de laver votre plan de travail et tout ça, hop, et comme ça, elle a le temps de bien gonfler, enfin, de bien s'hydrater. Ensuite, vous rajoutez la farine, le sel. Attention, la levure et le sel ne doivent pas être en contact direct, sinon ça enlève le pouvoir de la levure. Et ensuite, vous mettez un peu d'huile d'olive, ou d'huile, ça dépend de ce qu'il y a, et vous faites votre mélange. Je crois que j'ai rien oublié, un peu d'eau, de la farine, de la levure, de l'huile, c'est bon. Vous faites votre mélange, ensuite vous faites gonfler Et sur du un. sucre. Pardon? Et du sucre. Oui, alors c'est pas obligatoire le sucre, mais c'est vrai que ça peut aider effectivement, ça peut nourrir la levure et donc la faire un petit peu gonfler. Donc on peut prévoir 5 grammes de sucre, effectivement. C'est pas obligatoire, mais effectivement, vous avez raison, Florian. Donc, et un petit peu de sucre que vous mettez avec le sel, pareil, enfin voilà, vous mélangez et puis vous mettez tout ensemble. Vous laissez gonfler. Alors, juste, je regarde ce qu'ils vous proposaient dans le. Alors, voilà. Donc, dans le livre, on vous disait laissez reposer au bain-marie couvert environ 30 minutes. Donc, on vous dit un bain-marie. Normalement, quand on vous dit un bain-marie chaud, ça doit maintenir la préparation à plus 63 degrés à cœur. Au niveau de la dégustation, on doit être à ça. Là, par contre, la levure, il ne faut pas qu'elle dépasse 35 degrés. Il faut pas que vous. Enfin, on va dire, on va grossir 40 degrés. Pas qu'elle dépasse. Donc, ça doit être un bain-marie un peu tiède. À la limite, vous avez commencé votre bain-marie. Quand vous voyez que ça commence à frémir, vous l'arrêtez. Vous mettez votre ramequin au-dessus. Et vous le recouvrez. Donc, vous pouvez prévoir un torchon. Mais par exemple, je sais que moi, l'année où j'étais passée, ils voulaient pas les torchons. C'était pas toléré. Donc là, j'ai dû mes élèves l'an dernier, eux, par contre, c'était toléré, les torchons. Ça peut dépendre des centres d'examen. Normalement, moi, j'avais tout fait au sopalin, par exemple. J'avais tout essuyé, ma vaisselle, tout au sopalin. Donc forcément, pour recouvrir ma pâte à pizza, si j'avais une pâte à pizza, je n'aurais pas pu le faire avec un torchon, puisque je n'avais pas de torchon. Donc dans ces cas-là, on recouvre avec du papier transparent, enfin, le papier alimentaire classique. Donc, vous la laissez, moi je dirais une bonne demi-heure, vous regardez comment elle va, mais il faut bien la pétrir. C'est quand même très important, c'est le temps de pétrissage pour que la levure puisse bien monter. Vous la filmez et ensuite, si vous pouvez, ce qui est pas mal de faire, si vous voyez qu'elle a bien monté, c'est de la repétrir, enfin de l'étaler, pardon, de faire des petites pizzas. Et de la mettre à nouveau, soit la laissant sur votre bain-marie, donc à température, sur votre, pardon, votre plan de travail, donc à température ambiante, soit à nouveau sur votre bain-marie tiède, la laisser monter une deuxième fois. Comme ça, vous êtes sûr qu'il n'y aura pas ce goût de levure, qu'elle aura bien monté votre pizza. Et après, si vraiment vous trouvez qu'elle a un petit peu, qu'elle a trop monté parce que vous avez super bien pétri, vous la réétalez un petit peu plus si vous ne voulez pas qu'elle soit trop épaisse. Ça, c'est une question de goût, fine, épaisse, la pizza. On ne va pas en débattre là, quoi. Le jour de l'examen, on peut faire comme en TP, 50 degrés au four pendant 30 minutes. Oui, vous pouvez faire dans un four. Enfin, 50 degrés, ça me semble un peu beaucoup, mais en fait, c'est 50 degrés, votre four, il ne va pas vraiment déclencher, en fait. Il va mettre une mini température, mais ça ne va pas être énorme. Après, si vraiment vous n'avez aucune autre préparation à faire au four, qu'il n'y a que cette préparation, oui, vous pouvez mettre votre pâte là-dedans. Par exemple, moi, quand je fais des brioches en pâtisserie, ce que je fais, c'est que je mets mon plat au four recouvert et je mets un autre plat avec de l'eau un peu chaude dedans. Comme ça fait un côté un peu humide et c'est vrai que c'est assez propice au lever de la levure. Mais après, voilà. Donc oui, vous pouvez faire au four. Comme vous le sentez, effectivement, ça peut vous libérer au moins de l'espace sur votre plan de travail, sur votre plaque de cuisson. Donc c'est possible aussi. Et ensuite, donc, quand vos pâtes sont abaissées, bah, après, normalement, vous avez préparé votre coulis de tomates. Donc effectivement, par exemple, tout à l'heure, j'ai fait un sujet de BTS avec mes élèves. Il y avait des tomates. Dans l'annexe 1, il y avait des tomates fraîches ou des tomates apertisées.
Franchement, le jour J, vous vous embêtez pas à prendre des vraies tomates et à faire un coulis de tomates avec des vraies tomates. Alors, je suis d'accord, si c'est des tomates en plus en plein mois de juin qui ont plein de goût, c'est super. Mais vous avez la marche en avant, la cuisson est beaucoup plus longue. Vraiment, moi, je vous demande de privilégier la rapidité. Vous pouvez faire un très bon coulis de tomates, en plus, le temps sera plus long. Faites un coulis de tomates, vous prenez des tomates apertisées, vous prenez des herbes de Provence, du sel et vous la laissez mijoter un maximum et ce sera très bon aussi. Vous pouvez même, si vraiment c'est des tomates entières dans la conserve, vous pouvez peut-être passer un petit coup de mixeur si jamais vous trouvez que ce n'est pas très régulier pour qu'elles soient un peu plus savoureuses. Ça, et par contre, petit point que j'aime bien rappeler, quand on ouvre une conserve, on nettoie la conserve avant de l'ouvrir. Hein. Donc, on passe un désinfectant dessus, on enlève et ensuite on enlève entièrement l'opercule. On filme. Quand on a fini, on filme la boîte de conserve et on remet à la prise des denrées. On ne ramène jamais comme ça avec l'opercule à moitié ouverte. Hein. Je préfère le dire. Après votre sauce tomate, le jambon coupé en dés. Si vous avez voulu mettre les champignons, bah, vous mettez les champignons comme ça. Si peut-être que les champignons, vous avez voulu les mélanger au coulis de tomates, bon, bah, parfait, hein, ils sont mélangés dans le coulis de tomates, ils ont cuit avec, vous les avez coupés. Hop, ils sont mis dedans, ils ont réduit. Et vous avez juste à ajouter les champignons, le jambon, l'emmental et olive ou pas. Je pense que j'ai tout dit. Et ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, la marche en avant des végétaux, mais ça, j'en ai déjà parlé plusieurs fois. Faut bien laver avant de découper. Voilà. Et eh bien, je vous laisse si vous avez deux, trois questions à me dire sur la pizza. On peut privilégier les champignons apertisés aussi? Oui, bien sûr. Alors, dans le sujet qu'on a fait de 2013 avec mes élèves, vous voyez, c'était des champignons surgelés. Donc là, en plus, il n'y a pas de marche en avant, donc c'est super. Mais oui, si vous avez le choix, pareil. Gagner du temps. Parce que 200 grammes de champignons à couper, ça peut être un petit peu long. Gagner du temps pour avoir un petit peu de temps pour faire votre fiche technique, ça vaut 7 points. Et si vous faites votre fiche technique parfaitement, c'est 7 points gagnés, quoi. Je vous laisse de quelques minutes si vous avez des questions encore sur la pizza. En même temps, je vais ouvrir la prochaine recette au cas où. Pas de questions particulières? Bon, j'enchaîne. Si jamais il y a des questions, vous n'hésitez pas, je reviendrai dessus, vous inquiétez pas. Alors, la béchamel, donc c'était à faire juste pour soi. Donc la béchamel, je vous rassure, on ne sert jamais de la béchamel comme ça. Le jour J, c'est un gratin de carottes, béchamel, c'est des choux salés béchamel jambon. Voilà. On ne vous demande jamais de faire une béchamel. Préparation A, béchamel. Une béchamel, c'est assez rapide. On fait fondre le beurre. Ensuite, on rajoute la farine tamisée. On fait cuire 1 minute, histoire que ça colore un petit peu. Et ensuite, on rajoute le lait. Petit à petit dedans et normalement on fait tout à la spatule en bois et c'est seulement si on se rend compte au bout d'un moment qu'il y a des grumeaux qu'on a le droit d'utiliser le fouet et normalement tout doit se faire si on ajoute le lait petit à petit, il n'y a pas de grumeaux, il n'y a pas de souci et à la spatule ça suffit et pour que ça puisse s'activer au niveau des que ça puisse épaissir, normalement on fait des 8 on dit pour activer au niveau glucidique. Là-dedans, vous pouvez rajouter de la muscade aussi, souvent avec une béchamel, il y a de la muscade, et on assaisonne bien évidemment. Alors, je reviens 2 petites minutes sur la pâte à pizza, ce qui est une question. Est-ce que la pâte à pizza ne fonctionne qu'avec la levure de boulanger ou de la levure chimique aussi? Alors, j'ai vu pendant ce confinement qu'il y avait des recettes de pain à base de levure chimique, mais je vous avoue que moi, je n'en ai pas fait parce que pour moi, effectivement, normalement, c'est qu'avec de la levure de boulanger. Donc, je n'ai pas fait. Apparemment, ça faisait des jolis pains avec la levure chimique. Mais normalement, oui, non. C'est vraiment la levure de boulanger. Le jour J, quand vous aurez dans l'annexe 1, vous verrez qu'il y aura écrit levure de boulanger déshydratée. Il n'y aura pas de levure chimique parce que la levure de boulanger monte avant, alors que la levure chimique, en fait, elle va monter à la cuisson. Donc, vous n'allez pas attendre que votre pizza cuise pour monter.
Et oui, mais c'est normal, oui, avec la levure chimique, c'est sûr, ça, c'est normal. La prochaine fois, ce sera levure de boulanger. Le jour J, on vous demandera la levure de boulanger. Ça amène pas du tout le même gustativement. La levure de boulanger, ça amène beaucoup d'alvéoles à l'intérieur et c'est vraiment meilleur. Voilà, donc après, la béchamel, vraiment, il n'y a pas grand-chose à savoir. C'est assez facile, c'est vraiment un basique à savoir. Après, en deuxième année, par exemple, vous verrez peut-être la béchamel diététique où, par exemple, on enlève le beurre. Donc, c'est une autre manière de faire et c'est assez intéressant aussi. Et gustativement, c'est pas mal, c'est assez intéressant. Voilà, si vous avez des questions sur la béchamel, pensez spatule et seulement s'il y a des grumeaux, j'utilise un petit peu moins fouet pour l'enlever. Et après, je fais des 8 pour activer. Et dès que c'est épaissi, elle est bonne. Parfait. J'attends de voir s'il y en a qui ont des questions. En même temps, je prévois le cours théorique. Puisqu'on a. Non, mais je ne l'avais même pas prévu dans le cours du jour. Donc, mais je vais quand même le faire. On va commencer quand même, page 51. N'hésitez pas si vous avez des choses à dire. Bon, je vais continuer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Soit vous coupez, vous décrochez votre micro, soit vous m'écrivez et je reprendrai. Alors, ensuite, il y avait la partie théorique à lire sur les légumes et les fruits. Alors, c'était chapitre 2, page 51. Donc, c'était pas mal de choses qui reprenaient en fait la partie théorie parce qu'on commence, je vous rappelle, le jour J avec le bon de commande à faire. Quand vous arrivez, vous lisez votre sujet. La première chose à faire, c'est faire deux bons de commande, deux fois le même. Donc, quand vous faites votre bon de commande, c'est la première étape pour votre réussite, parce qu'il faut avoir un bon de commande. Quelqu'un qui veut parler? Donc, il faut avoir un bon de commande qui soit OK, parce que sinon, ben, vous n'allez pas arriver à la fin. Donc, vraiment, il faut prendre son temps, le bon de commande, 20-25 minutes pour bien le rédiger, vérifier dans l'annexe 2 qu'on a tout pris pour la décoration, pour toute la composition de son plat, on vérifie qu'on a tout. Le bon de commande, souvent, il y a certains petits points que vous oubliez. Par exemple, donc là, pour l'instant, j'ai mis que les fruits et légumes. Donc, on va se baser là-dessus. Et la prochaine fois, peut-être, si vous voulez, on parlera peut-être du bon de commande, si vous avez plus de questions, s'il y a des choses qui ne sont pas très claires pour vous dans le bon de commande. Tout d'abord, dans les fruits et légumes, en fait, vous savez, à la fin du bon de commande, il y a le poids net, total poids net et total poids brut. Et donc, ce total poids net, poids brut, pour quasiment toutes les catégories, c'est le même, dans crèmerie, dans épicerie et cave, dans épicerie aromate, c'est la même chose. Mais dans fruits et légumes, c'est différent. Parce qu'en fait, la différence vient, le poids net, c'est ce que vous allez avoir comme produit fini. Et le poids brut, mais par exemple, quand vous prenez une carotte, vous allez enlever les deux bouts, les extrémités de la carotte, et vous allez l'éplucher. Donc, il va y avoir une perte. Donc, c'est ça qu'il faut que c'est ça qu'on calcule. Donc, toujours le poids brut est supérieur au poids net. Faites très attention, je vois souvent des élèves qui me mettent des poids nets qui sont supérieurs au poids brut, alors que non. C'est le poids brut qui est toujours supérieur au poids net. Ensuite, donc le poids net, c'est le poids brut moins les déchets. Ça, vous le savez. Donc, ça, c'est bon, je pense, pour tous. Ensuite, donc c'est bien d'avoir un petit peu des notions de pourcentage de perte. Alors bon, moi je suis pas trop tatillon avec mes élèves là-dessus. Je veux juste voir qu'il y a plus ou moins 10% de perte, sauf si quand on est sur des légumes où il y a une grosse perte, allez 15-20%, si en fonction c'est du poireau, selon ce qu'on utilise, il va y avoir un peu plus de perte. Donc à ce niveau-là, vous allez dans le docu, dans le livre, vous avez les pourcentages de perte. Donc n'hésitez pas à relire régulièrement pour bien vous mettre en tête ces pourcentages de perte. Voilà, donc ça c'est quand même très important qu'au niveau du bon de commande ce soit clair et que vous fassiez bien ça parce que c'est attendu par le jury au niveau de si vous marquez tomate et que vous mettez la même quantité, ben non, c'est pas bon quoi. Donc, ce serait dommage de perdre des points bêtement.
Donc, on va s'arrêter là parce qu'il y a Corinne qui est revenue et qu'ensuite, du coup, la prochaine fois, on continuera parce qu'on a un tout petit peu plus avancé par rapport au programme. Donc, on parlera de Super. tout ce qui est nettoyage et découpe des légumes la prochaine fois si ça vous va. Sauf s'il y a des petites questions, des dernières petites questions avant que je laisse la place à Corinne, n'hésitez pas à écrire ou à mettre votre micro pour me poser une dernière question. Il y en a ou pas? Non, bon, apparemment. Pour Florine, c'est clair. Pour peut-être Julie m'avait posé quelques questions. Il y a eu Delphine aussi qui m'en a posé. Nadège. Voilà, si vous, vous aviez des questions, peut-être. Ça n'a pas l'air de. Vous n'avez pas l'air d'avoir de questions. Bon, bah d'accord, si c'est tout clair pour vous, parfait. Puis si jamais vous avez des questions, ne vous inquiétez pas. On se revoit la semaine prochaine. Vous les notez sur un bout de papier et vous me les demandez la semaine prochaine sans souci ou sinon par mail. OK. Et je vous remercie en tout cas. Passez Merci une bonne Sophie. soirée.